Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite d'Assassin's Creed Black Flag. La dernière fois, nous venions de prendre ce port et on n'avait pas encore récupéré les biniou. Donc, c'est de notre devoir de récupérer ces biniou. Les biniou. J'adore ce petit bruit de bottes sur les briques. Ping, ping, ping. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le bruit d'un coffre à proximité. Ah, vous ne saviez pas que je pouvais faire ça, hein? Coffre. De l'or. Des montagnes d'or. Comme dans The Witcher. Alors où va-t-on, mes amis? Eh bien, c'est bien simple, nous allons nous occuper de ce fort. Et en chemin, on va abattre le plus de bateaux possible. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, ça m'intéresse pas. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Trois schooners qui transportent du tissu. Ce n'est pas très intéressant tout ça. Mais ça veut pas dire. Nous allons récolter. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Un autre schooner, mais c'est le festival du schooner ici. Apprêtez-vous à aborder, on aborde! Les volets sont désormais beaucoup plus puissants. Et ça se voit. Alors messieurs, on essaie d'impressionner qui là? Maintenant tout est à moi. Et je vais prendre votre bateau parce que je vais le démanteler dans mon pour avoir un peu plus d'or pour récolter comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Un schooner? On y va! Paré à faire peu! Plus d'étoiles! Donnez plus d'étoiles! Je vous l'ai dit, on va tous les aborder, ceux-là. Et hop! Et voilà, ça c'est fait! Yar les gars, yar. Regardez-moi ces deux autres bateaux là-bas qu'on va bientôt récupérer. Aucun d'entre vous n'a mis le Jack Down en péril, messieurs. Je vous souhaite bon vent. Donc je ne vais pas faire les animations parce que ça dure trop de temps. J'essaie de le prendre, mais il veut pas. Donc. Diminuez les voiles. Audrice, carguez, fermez la grand voile. Où est-ce qu'est
Pourquoi on fait ça, capitaine? Juste pour le lulz. Le quoi? Le lulz. Bon, on récupérera ces marchandises qui à la dérive, une fois qu'on aura récupéré les marchandises qui sont là-bas. Parce que là, on a deux bateaux immobilisés pour toujours. Et ils ne savent pas trop quoi penser de nous. Oh, l'abordage! Et voilà, l'abordage est terminé. Messieurs, vous avez le choix. Ou vous cassez, ou on vous casse en deux. Et tous ces bateaux vont me servir de matériaux pour mes futurs ports. Enfin, pour mes futurs emplacements de briques. Oh, je vais peut-être en garder un ou deux. Je prendrai dans les plus comment? Mais non, c'est juste une petite brise. Plus qu'à espérer que j'en tue un. C'est bon, on n'a plus besoin d'aller sur leur bateau. Merci, capitaine. Bon, de rien. Bon. Que dire? Mis à part de rien. Désormais, tu es capitaine. Mais j'ai jamais conduit de bateau! Et ben maintenant t'es capitaine! Au travail! Réglez ces voiles! Allez, en avant les gars! Ah, Zora joue à Rocket League. Et moi j'ai joué à Black Flag. Un autre schooner. Ou du métal. Ah, j'ai beaucoup de lag. Sur tribord, capitaine. Il y a une belle cargaison ici, capitaine. Un break. À tribord, un homme à la mer, capitaine. Oui. Bouge encore. Oh, le break se dirige dans la tempête. Il essaie de se jouer de nous, le break. Un schooner. Et voilà. Un bel abordage. Tout ce qu'il y a de plus legit. Dans les couilles du capitaine.
Hé, vous là-bas, vous venez de me tirer dans les couilles. Exactement. Et reviens te battre comme un homme. J'ai perdu un membre d'équipage, j'avais intérêt à en rembourser un. Ah, vous faites moins les malins maintenant que vous avez plus votre drogue. Hein. Messieurs, j'ai de la place pour mon, dans mon équipage pour un d'entre vous. Et je vois que trois l'ont déjà pris. Bienvenue dans ma flotte. On a besoin de briques dans la flotte. Et le schooner qui passe à côté de nous. Fais comme s'il n'avait rien vu. Capitaine, ils sont là! Où est le fort? Où est le fort, j'ai dit? Le fort, il est loin, capitaine. Bah, c'est là qu'on va. D'ailleurs, attendez une petite minute. On va se parquer ici, parce qu'ici, on est moins en danger grâce aux deux monticules de terre qui nous camouflent. Je vais m'occuper de ma flotte. Alors, voyons voir. On va le démanteler, celui-là. Celui-là aussi. Très banal. Bon, alors on va en ajouter un, au moins. Et ajouter des quais pour notre brique. Moi, j'ai pris un schooner et un brick. Et on va lancer le combat avec tout le monde, parce que voilà. Tout le monde le sait. On a besoin de tout le monde. Oh ! Voilà, on a sauvé le monde. Désormais, cette route n'est plus dangereuse pour nous. Ouais ! On voyait Santa Rosaria. Les canonniers qui arrivent devant les deux briques. Pour parler? Non. Pas de reddition. Bon, ils ont pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave, hein. Ils survivent. Du rhum, on a récupéré, c'est très bien le rhum. Allez hop, on va envoyer notre brique. Et pour le rêve américain, on va envoyer le second brique après l'avoir réparé. Et maintenant on s'en va parce que pour l'instant on a que ça à faire. Allons défoncer. On a laissé un bateau. On dérive derrière, c'est pas grave. Un brick avec du métal.
La stratégie. Il avait du métal sur lui. Et ça, c'est précieux, le métal. Vite avant que quelqu'un d'autre nous repère. Et merde. J'essaye de prendre à chaque fois la corde et voilà avec quoi je me retrouve. Allez. Allez. Oh non, j'ai encore perdu un monde d'équipage, mais c'est pas vrai! Toi, je t'aime pas! Messieurs, vous allez rentrer à la nage. Vous avez tué un membre de mon équipage, vous rentrez à la nage. Par contre, votre bateau, il vient avec moi. Parce que c'est pas parce que votre bateau, il était à vous qu'il était méchant. Bon. Maintenant qu'on sait, c'est bien tout ça, mais qu'en est-il de l'équipage? Eh ben, il est bientôt au complet. T'es au courant qu'on va à notre mort, hein? Alors le bruit que vous avez entendu, c'est une de mes vidéos qui vient. De dire, c'est bon, je suis prête à être uploadée. On sort! Ça a failli être classe, ça a failli. Je crois que le capitaine est en train de gagner. Et là, il me revoit revenir par là. Capitaine, personne ne parle de ce qui vient de se passer. D'accord, capitaine. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai trébuché. Oh, capitaine, mais on croyait que vous étiez le plus puissant. Et vous, je vous avez l'air suspect parmi tout ce chaos. Regardez-moi ça, cet homme a l'air tellement suspect.
Il va faire quoi maintenant que j'ai tué son commandant? Attendez, on a un sceptique. Voilà, voilà qui est mieux. Quoi? Parce que c'est pas là? Ah non, c'est au-dessus. I'm gonna kill someone. La dernière fois que je suis venu là, on m'a dit descends. Mais non, cette fois c'est bon. Cette fois c'est lui, c'est le général en chef et blablabla. Bla bla. You are a pirate. Yarr. Et ben voilà, toute cette zone est à moi. Ça fait beaucoup de zones qui sont à moi. Ici c'est des zones 2, donc ici même au pire on peut le faire. Mais bon, pour l'instant ce serait pas très révélant et puis... On va vendre de la cargaison. On a récupéré un tout petit peu dessus, quelques morceaux de rhum. Bon, les os, ça peut être utile. On a pas assez pour... On a assez pour augmenter la puissance des boulets explosifs. Même deux fois. Bon, on n'a plus rien. Allez, allons récupérer un peu d'or maintenant. Ouais, mais au début du jeu, tout votre argent va passer dans votre bateau. Hein. C'est comme quand vous avez votre propre entreprise, les premières années, tout l'argent, ça va aller dans votre entreprise, ça va pas aller dans vos sous, enfin dans vos poches. Hein. Du genre, oh, je viens de me faire 500 euros en net. Cet argent, bah, je vais le mettre dans l'entreprise hein, pour améliorer la peinture, blablabla, etc. C'est pareil dans ce jeu. C'est d'abord le bateau, et ensuite c'est vous. Yodale, hi-hou. Alors allons voir comment ça se présente à l'étage en dessous. Alors comment ça se présente pour ma flotte? Et hop, on ajoute un quai pour ce magnifique brick que je viens de récupérer. Alors, le rêve américain, c'est fait. Compte rendu de mission, la diplomatie, c'est parfait. Donc, le golf, c'est sûr, mais il n'y a plus rien. Ici, il n'y a plus rien. Ici, il y a le cellier, mais il faut un brick. Envoyons notre nouveau brick. Envoyons les bobats.
En avant. Et comme c'est des briques, on va se faciliter un peu la tâche sur un des deux. Ça fait un brique de partie. Il envoie sa mine sous-marine. Et l'autre, ils ont même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Ils ont... On est des bateaux, nous aussi, on pourrait tirer, attention. On va faire le dernier combat naval. Mon brick était raflé, dis donc. Et voilà. Victorieux du tabac. Et allons-y. Donc faut absolument... Alors apparemment je ne peux pas envoyer mes bateaux. Il va falloir... Il va falloir... comment... Pour cette quête-là, il va me falloir un galion. On va directement aller en Afrique du coup. Des schooners. Ouais, j'ai gaspillé tous mes barils, mais bon. Je préfère être sûr de ma victoire. Sans trop prendre de dégâts pour mon navire, parce que là on a quand même deux schooners et un brick. Là je ne regarde même pas, tu sais. Je laisse faire. Voilà, c'est fait. Maintenant la route elle est libre. Totalement. Alors, ici on a quelque chose pour un brick. Ici on a de quoi satisfaire un schooner. Et là il fallait absolument un brick, donc ce ne sera pas pour toi. Et ici il n'y a pas une petite mission. Mais si, regarde-moi ça, une petite mission pour un petit schooner. Même si c'est en jaune, on va laisser faire. Il en est capable. Et maintenant qu'on a tous nos navires occupés, on va pouvoir continuer d'avancer. Yar! Alors on a le chasseur qui est là-bas, pas très loin. Accrochez-vous, on va toucher! Alors il est où ce navire? On va se mettre ici. À notre 13. Carguez, vous autres! Oui, là-haut! Vers le tout! Barrez à faire feu! Évidemment. Qu'est-ce qu'il transportait? Donnez-moi de la toile! Plus de toile! On ne le saura pas. Eh bien, on va récupérer ce que tu transportais et on va
se retirer la prime. Et voilà. Bon les gars, je sais que votre navire a l'air intéressant, blablabla, bla, bla, mais j'ai pas besoin de navire pour l'instant. J'ai assez de briques, j'ai assez de schooner. Merci pour cette belle... Et on va retirer notre niveau de recherche. Merci bien. À bientôt. Rejoignez-nous ou mourrez. Voilà, rejoignez-nous ou mourrez. À savoir qu'on doit aller à Nassau. Désolé, je suis la souris, mais en fait, voilà. On va aller se déplacer directement à Nassau. Et c'est là qu'on va se quitter. Envoyez la convoile. Alors voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était David.